Portland. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça m'affecte. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 d'El Limousin, je suis en compagnie de Tom. Salut tout le monde, salut à toi. Je suis en compagnie de Anto, salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Donc aujourd'hui Tom va aller, je sais pas quoi faire, moi je vais acheter mes pommes de terre. Donc voilà. Puis Anto, je suppose qu'il va faire. On est parti. Bah je vais aller avec toi. Avec moi, il a rien demandé. Si, je vais me brûler la bite dans le fen, c'est tout. Tu te calmes avec le fen. Regarde, l'autre il se vénère là, c'est bon, il va se calmer. Par contre, tu fermes ta porte, c'est un conseil si tu veux pas payer une porte après. Bon. T'inquiète, Hop. Voilà, c'est mieux. Là, plus là, ça. Mais y a pas de vitre sur ce. Ah, si, y a petite vitre arrière parce que tu sues comme un porc. Fais grand chose, mais t'arrêtes. J'ai pété. Oh putain. Tu vois pas la trace là sur le siège? Oh. Et toi, tu veux nous prendre un abonnement à la station de lavage? Tiens, tu laves la terre des tracteurs avec toi. Toi, tu peux passer le Karcher dans les tracteurs. Bon, tu gagnes de temps. Hein. Bon, alors normalement, c'est le même rendement que la dernière fois. On devrait sortir 3 ballots là-dedans. Oh, je crois que je vais chercher 845 et je vais commencer à rassembler les ballots dans le bout de champ. Non? Oh, dans celui-là, t'inquiète, tu vas pas avoir grand travail à faire. Ou j'irai les ballots qu'il y a là, je les mets directement en 27. Ou bah, tu peux les emmener directement à la ferme vu que t'as côté. Moi aussi, oui. Au 27, par contre, je laisserai dans le champ parce que. Oui, 27, oui. Il y a des allers-retours à faire, si. Bon, tu te déposeras vite fait à l'entrée pour aller aux vaches. Quand tu remonteras pour le 27. Ouais. Bon, ça va encore. On voit encore bien les andins quand même. Oui. Prends le tracteur hein, parce que le merlot j'en ai besoin pour remonter. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'allais prendre le 845. Ah. Tant pour moi. Le moteur dorénavant. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es malentendant, on t'en excuse. Il y a un meilleur rendement que la dernière fois sur le champ. Et puis la caméra elle a inversé dans ce tracteur là. J'ai déjà sorti 3 ballots, il m'en reste encore 3 en 1. Putain, j'ai un bro. Anto. Micro, Anto, micro. Bon. Ça y est, t'as fait la pichenette. Ouais, j'ai fait la pichenette, j'ai coupé mon micro par contre pour le faire. Ouais, c'est bien. Putain, il y a un sacré rendement dans celui-là là. Bah ouais. Et tu l'avais pendu à la chaux, non, Max? Ouais. Ah, c'est pour ça. Parce que là, je sais pas combien, on doit être rendu à 6 ballots. Ou 2 de 3 sur la première fois qu'on l'avait fait. Bon, les 6 ballots, je vais les ramener en même temps, dès que pas que 845 il va lever. Hein. Tiens, l'autre fois qu'on a fait les tests de débit hydraulique, et bah putain, ça y voit. Hein. Ouais. L'invite pas les ballots, hein. Si je les vide. Putain, il va me rajouter du boulot, lui. Je vais devoir faire 2 heures. Ah non, on vide pas la presse, t'as encore un prêt à faire. Mais je vais quand même pour la replier pour rouler sur la route. Si je pars le ballot sur la route, t'as pas l'air fin. Tu vas un nain le perdre, oh là là. Ah. Les amis, venez me porter secours. Mais bon, tu sais pas comment faire. Bon, tu le déposes? Ouais. Et où le petit Delcourt? Je suis en train de faire ma dernière passe, j'ai enfin fini. Merci, ça y est, il est refait. On voit le petit champ de patates. Oh yeah, oh non, mais t'es fou d'avoir fait ça en pétate, toi? Non, pétate. Ah, j'en ai pour 6 ans à le faire, ce champ. Ouais non, tranquille. Alors il faut venir avec 2 arracheuses. Ouais non. C'est un taré. Il est fou. Vous aime. Au secours. Bah non, c'est pas un taré, c'est un belge, c'est tout. Hein. C'est pas pour rien qu'il a fait un champ de patates. Ah ouais, il me faut des frites, hein, fieu. Bah oui. Là, attends là.
j'avais pas vu que tu faisais celui-là en contact. Oh, oh calme-toi. Calme-toi, 845. Merci, c'est gentil. T'as un pilote quand il passe à côté, je perds mon oreille gauche. T'as fait tellement de bordel, le cas. Ça se voit qu'il y a un plus gros rendement, tu la taille des andins, toi, par rapport à avant. Oh, quoi, t'as fauché deux fois au 27? Non, une fois. Non. C'est lequel que t'as fauché deux fois? C'est le 48 que j'ai déjà fauché et qu'il va falloir refaucher. Lui, par contre, lui, il va y avoir du rendement. Bah, on le fait en herbe en plus. Donc, ils ont presque pas d'herbe, bah, là, on va en avoir. C'est bizarre, les ballons ils se décalent à chaque fois, pourtant je suis aligné. C'est quand même dommage qu'ils ont pas laissé le biogaz à la même place que sur le 15. Ils ont été foutre tout au-dessus là. Oh. Une bosse ici. Avec Cuma, on a besoin de rien, si? Avec Cuma, là, on a besoin de pousseuse, non? Non. En mettant que j'y étais. Non, on a besoin. Parce que là, je suis pressé. Il va falloir ramasser tout ça. Après, il faudra recommencer à faucher. J'irai chercher le faucher. Ouais, dessus. Mollo. Je vais foutre le gaz en roue fine pour pouvoir pulvériser. Ah putain de caméra de merde. C'est risqué de prendre 6 ballons. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il les lève tranquille. Débit hydraulique, mon gars. Il a un sacré débit. Oula. Passage des roues fines. Ouais. Il est pas. Oula. Il est pas attaché le ballon du dessus. Il est pas attaché le 6ème. Ouais, il s'attache pas. En même temps, mec. 6 ballons. Mais... Ah! Pilote une klaxon, bah je... C'est bon, je m'en fous, je lui mets avant. Putain, il continue en plus! Ah putain, tu m'entends d'aussi loin en fait. Bah oui. Je pensais pas. Tu l'entends loin maintenant peut-être. Putain, tu fais chier d'avoir vidé un ballon dans le champ toi. Ah ouais, toi aussi tu trouves. Tu vas devoir revenir pour un putain de ballon, tu fais chier Thomas. Ah là là. Bon voilà, lui est passé en roue. Oula, la ligne électrique elle est pas passée. Je veux même pas qu'elle est en collision ces lignes. Quel malade. J'ai envie de voir ça.
Bah c'est nickel. De quoi? On va faire ça. Hop. Ouais. Oui, t'es en train de pleurer sa mère là. Ok. Toi? Non, non. Je suis en train de me dire que si on veut ramasser au ballon, il faut que on enlève toutes les palettes du chariot. Du chariot, ouais. Bon, il y aura deux ballons en plus qui seront au-dessus, mais bon, c'est pas grave. T'arriveras à le choper avec le merlot. Ça monte haut, t'inquiète. C'est la manite ouverte, comme il dirait un copain. Manite ouverte. Manite ouverte. Ah, t'as les classes aussi en manite ouverte. T'as eu John Deere aussi. Ouais. T'as beaucoup de tracteurs et de matériel agricole en verre. Deux. Ouais, mais. Y'a Fendt. Ouais. Fendt, Deutz, John Deere. Deere, classe. Tu devrais avoir d'autres aussi. MB Track là, Mercedes. Ouais, les Mercedes. Mais quoi d'autre? Merlot. Ouais. Après, c'est pas la même qualité mécanique aussi. Hein. Non, bah après, non, ça change en fait. Prenons Enzof avec Classe. Classe et Fendt, c'est pas la même chose. Nous n'allons pas revenir sur ce débat là, merci bien. Ton champ de passage, il a déjà commencé à pousser. Donc ouais, les gars, j'ai presque fini de presser. C'est bien. Bien ça. Vu une médaille. Ouais, j'ai pas vu que t'étais arrivé dans le champ, c'est pour ça. Ah, dame. Tu fous dans le ballon, je te casse ta gueule. Putain, j'allais dire, toi, quand je l'ai vu tourner comme un bois, j'ai dit, ah, il va le taper dans le ballon. Mais non, je suis un pilote, mon gars. Ça, ça fait quelques balles quand même, là. Putain, dans celui-là, mon gars, il y en a quelques-uns. J'ai dit. Attends, quand tu vois la taille de la prairie, c'est logique, hein. Ah, mais par rapport à. C'est surtout que ça a été produit à chaud. Ça aurait pas été épandu à la chaux, il n'aurait pas eu autant de rendement. Non, bah ça. Sur le premier coup, ça avait pas été épandu, on avait presque rien vu comme rendement. Déjà, tu t'aurais vu la taille des. On avait pas fait des ballons, on avait fait dans cet élevage d'herbe dedans. Ici là? Ouais. Ah, il était bien, effectivement. Mais Je me souviens déjà plus. Sauvez-moi. C'est plus sauver Willy, c'est sauver Maxime. C'est sauver Maxime. Des fois j'ai envie de pleurer avec lui, mec, c'est abusé. Hein. Mais non. Pleurer de rire, hein. On t'aime bien avec ça. C'est de l'ironie. Pleurer de rire, là, c'est une grosse ironie, là. Bon, bah voilà, bah, j'ai fini, hein. Il débauche. Il fait quoi, lui? Je vois son nom. La presse. La petite presse, on la redonne avec moi. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire une petite meule. Et moi, pour l'instant... Enfin, là. Ne te mets pas à chanter, s'il te plaît. Ne te mets pas à chanter, parce qu'après, il faut ranger les ballons avant qu'il pleuve, hein. T'as rangé... Tu décharges le plateau, là, Max? Ouais. Et arrête, parce que je suis en train de m'impressionner comment... Je suis calme pour pouvoir prendre les palettes. Quoi. Avec? C'est vrai, je t'ai jamais vu aussi calme. Ah, les palettes, c'est bien, mais ils sont un petit peu buggés sur les bords. Quoi. Ouais, non. Bon, si c'est juste sur les. Si c'est juste sur les bords, ça va. Toi, par contre, t'es pas con sur les bords, toi, par contre, hein? Moi? Ah, bah non, quand on fait les choses, on fait les choses bien. Toi, faire les choses, toi, les faire bien.
Les choses à moitié, comme on dit. Ouais. Puis là, ça lag. Je sais pas pourquoi. Ça lag parce que pas. Ah ouais, c'est normal, t'arrives tout près du concess. Logique. Ah ouais, c'est avec la puce, c'est avec la mélangeuse. Non, ouais, comme. Tout. La ferme limousine, voilà. Moi c'est Romain qui m'a fait kiffer. Nous on a déjà fait le moisson, lui il vient juste de faire sa ferme. Il vient juste de faire ses moutons, hein. il a fauché un peu et il a auto-chargé. Ouais c'est tout. C'est un bon début, c'est un bon commencement. Hein. Ouais, on va quitter la map qu'il aura pas commencé à faire une moisson. Il n'aura pas encore moissonné une seule fois. Bon on va rester un petit moment sur celle-là, c'est sympa comme map. C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'au bout de 4 semaines on change. Ouais mais là si tu te lasses des champs que tu fais, tu peux les revendre et... ou racheter d'autres champs parce qu'il y a tellement de champs sur cette map que. Dour. Bah tiens quand on parle de... quand on parle du loup. Qui c'est qui? Les Romains. Mais non. Pourquoi vous parliez de moi? Oh. Comme ça. Que voilà les amis, il y a Romain qui vient de nous revendre. Voilà, c'est ça. Ah vous êtes en tournage? Non, bah non, oui, ah bonjour. On est pas dans le canal, hein, pas vrai. Non, on est pas dans le canal. Bravo, bonjour. Toi, t'es pire que Tom, toi, c'est pas possible. Comment allez-vous? Les amis ou moi? Toi. Bon, moi, ça va. La vidéo, ça fait 16 minutes qu'elle est commencée. Mettez un like pour. Pour Romain. Que Romain s'achète un seul. Par contre, j'ai entendu un ou deux mots sur deux. C'est normal, hein. Après tu me. Mal. Bon, par contre, je vous le dis, je sais même pas si je vais finir la vidéo parce que 15h faut que je parte. Bah, mec, 6 minutes. Pourquoi tu viens? Tu vas de synchro pendant 2 minutes pour faire que 4. Ah non, mais je viens pas sur ça. Non mais parce que je vais voir les tuches au cinéma. Ah. Espèce de tuche. Tu te reconnais? Touche plus rien. T'es frites. Je suis allé le voir l'autre jour. Je suis allé le voir et je trouve il est moins bien que les premiers. Ah ouais. Le gars t'as vu il a encore tout niqué lui comme d'habitude. Je suis unique. Unique tout. Bravo Tom. Bravo, je te félicite. Vous voulez que je vous raconte la fin? Ta gueule. Non, ta gueule. Tu vas voir. Tom était ban de Discord. Bon, bah, tiens, tu prends le plateau, Tom. Ouais, bah, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que je venais. Où c'est qui l'a mis? Dans ton cul. J'ai mon cul. Oui, t'as assez. Bah, où c'est qu'il a le plateau, Max? Derrière. Derrière le bâtiment où on a stocké le grain, tout ça. D'accord. Putain de. Du coup, Romain, tu te reco ou pas après le ciné? Tes moutons, Minuit, tu veux dire? Si tu pars à 15h, le ciné, il va pas finir à 6h. Hein. Ah ouais, mais. Je croyais que j'allais au ciné sans boire une bière, sans. Ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment les alcooliques. Faudrait charger la meule là-bas aussi. On appelle un agriculteur. Ouais, je sais pas trop. C'est un peu ça fait comme ça. Oh mon gars, j'ai été faire un stage là cette semaine, mon gars. Je vous avais dit que j'allais venir un soir. Moi, je suis même pas venu, j'étais tellement crevé, mon. Putain, il me fait chier ce putain de. Ce putain de bite de signalisation. Ça fait deux fois que je me la prends. Une fois avec le plateau et l'autre fois c'était avec une benne. Oh, remarque, t'aimes ça de prendre des bites. Non. Oh, toi, tu m'expliques pourquoi tu la mets par 4 toi? Mais c'est pas par 4 qu'il faut les mettre. Ah non, c'est par 3 si je les range deux, par 6 de haut. Oh, cul le con. Oh, cul le con. Parce que la dernière fois qu'on a rangé les ballots, ils ont mis par 4, c'est pour ah ça. Ah non, ils ont toujours mis par 3. Ah oh, bah c'est. Ah bah c'était moi à cause de mon solo, tête. Ils vont se triper les mecs. C'est pas grave, tu rangeras du 8 de haut. Non, je range par 6 de haut. T'as pu lui, il est chiant aussi, putain, il pourrait. Bah comme ça,
Merlot il est en panne, je crois qu'on prend avec le cas. Ça tombe pas en panne à Merlot. Bon bah je vais les mettre par 3. Hein. Que les Merlots ils tombent en panne. Allez. Oh elle est dégueulasse cette match. Les gars travaillez, je vous regarde. Ça c'est bien. C'est tout ce que tu sais faire de toute façon. J'ai trouvé le nouveau nom de Tom, le stagiaire. Ah oui, il fait rien. Un stagiaire, ça ne sert à rien. Le stagiaire, t'as raison. Si, il ramène les bières, c'est le seul truc qui s'est fait. Et encore. Il les ramène. Il ramène. Les... Dans la beurouette, hein, pas avec la voiture. La beurouette. Oh. Et encore, faut un permis beurouette. Du nom de beurouette que je roule au taf, t'inquiète pas, je l'ai le permis beurouette. Hop là, Anto, pas trop. Je sais pas parce que là mon jeu il avance pas à coup alors. Lâche tout. Ouais bah. Touche pas à ça petit con, il écrit. C'est qui dessus comme le parcellu. Là elle était nulle. D'une force. C'est parce que je me suis dit je vais me mettre au même niveau que Romain. Putain mais ma. Si je vous dis les gars que la moissonneuse elle démarre pas. Ah si ça y est. Bah non elle démarre. Oh ça y est. Mais mon gars. Mais pourquoi les ballons ils bougent comme ça? C'est bizarre. Les gars, la moissonneuse elle prend 3 heures à démarrer. Vérité vraie. Alors le dieu. La vieille machine du pop. Oh. Alors. Donc quoi j'ai tapé. T'as rien dit, mais de toute façon. J'ai une idée mais je vais pas le dire, on est en... La pop là. T'as raison Romain, ferme ta gueule. Il faut qu'à faire que ça. Oh tu m'as foutu les boules en toi. Ah mais Tom, comme j'ai vu que tu m'avais pas vu, j'ai reculé tout de suite. Tom, moi quand je me tais au moins je travaille. Ah oui mais moi aussi je travaille hein. J'attends que mon plateau soit plein pour partir hein. Bien mon gars. J'attends que mon plateau soit plein, ouais t'attends, ça c'est. Je sais. C'est pas de ma faute si les deux autres ils avancent pas. Attends. Oh, viens Max ou il casse la gueule. Et l'autre qui range par 4, hein, du coup il est obligé de la reprendre deux fois. Shift E. Mon tête que. Les gars, je suis dans votre fête. Prends-le seulement par 3 en toi. Hein. Je suis parti en chercher 2 pour prendre le dernier qui va rester là. Touch le fête Mario. 700. Par contre, il y a moitié. Il y a pas grand chose en ici sur cette fête là. Bah merde. On peut même pas relever le volant sur cette fête là. C'est quoi cette merde? Bon les gars, moi je vous laisse, je vais aller. Faire quelque chose quand même parce que sinon ils vont s'ennuyer les gens. Moment, je vais aller faire quelque chose. C'est qui tourne là en fait? Hein? Tom. C'est qui tourne? Toujours moi. Tom. C'est moi qui tourne. Ah, j'ai tapé dans le plateau. En fait, Tom, tu peux revenir dans. Non. Eh, y'a que moi à entendre Max bugger, mais comme un. Pardon. Porc. Tu veux venir rechercher le fun? Ouais. Je crois j'arrive. Moi je reste au champ Max. Bon vous inquiétez pas, normalement je dirais. Attends, le week-end prochain je tourne la première vidéo. De moi. Ok. Tourne une aventure en solo. C'est vrai. Ok, si tu veux, pas de problème. Je vais sur un petit coin de campagne maintenant, je commence la partie. Alors. Fais une autre cheat avec saison de mode. Marrant. Eh je suis pas suicidaire non plus. Non mais pas suicidaire à ce point là. On croit que sur ça on peut arrêter la vidéo. Ouais. Une bonne vidéo d'une demi-heure. Ouais on est pas encore à une demi-heure. Putain j'ai cru que la vidéo était finie ou. Non c'est pas fini encore. Il y a 23 minutes quelque chose comme ça. Il y a encore du monde pour te faire chier. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, lâchez le petit like, le petit commentaire. S'il n'y a pas... Avec vos amis et vos familles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, ce que je vous dis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.